tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on se retrouve chez Léa, donc qui est la fondatrice du groupe Facebook Naxroom. Donc on est venu voir un peu tout ce qu'elle maintenait au niveau des espèces, mais également on va parler un petit peu du groupe. Donc Léa, pourquoi tu as fondé ce groupe à la base? Donc j'ai fondé ce groupe en fait parce que déjà j'ai une passion pour les reptiles, donc c'était pour moi important de faire ce partage. Ensuite j'ai fondé une équipe d'admin pour les fiches et tout ça, pour faire le partage. Pour moi c'est important. Ouais, c'est pour t'aider un petit peu en termes de... quand t'es pas là, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis faire un petit peu d'animation également. Voilà. Donc avec les jeux, notamment les mots fléchés... Non, pas les mots fléchés. Oui, c'est ça, les mots croisés un petit peu à chercher les mots importants, mais après... Les mots de reptiles et... Après, c'est vrai qu'on a fait aussi d'autres jeux. Après, il y en a qui plaisent plus ou moins. Ah, c'est vrai qu'après, il y a d'autres jeux qu'on retrouve facilement sur les autres groupes, comme les jeux des écailles, notamment, ou les jeux des yeux. C'est facile, donc... Chercher un peu d'autres choses, c'était pas mal. Il y a quand même pas mal de fiches de maintenance aussi qui sont faites. Ça, on les fait pour aider. De maintien plutôt que de maintenance, voilà. Pardon. Donc, les fiches maintien sur différentes espèces, donc notamment la dernière qui est sortie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Dendrobate azureuse. C'est ça. Donc, les toutes petites grenouilles. Les petites bleues. Voilà, donc ça, c'est des fiches qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les groupes. C'est ça. Il y a toujours sur certains groupes, parce que j'ai pu remarquer, tu as le petit novice qui arrive, tu as l'intermédiaire qui a ses quelques infos mais qui croit tout savoir. Et t'as Dieu. Voilà. Que nous, on a une fiche. S'il y a débat, on met la fiche. Point barre. Voilà. Si jamais après, ça déborde. Si t'as un capacitaire qui vient, qui dit tiens, ça c'est pas bon. Ça, oui, voilà. On va modifier et avec plaisir. C'est une fiche évolutive qui, en fin de compte, plaît à tout le monde. C'est ça. C'est vrai que moi, j'en ai vu quelques-unes. Elles sont pas trop mal. Il manque juste des fiches sur les tortues. Faudrait qu'on en fasse. C'est vrai qu'on fait un peu déjà tout ce qui est espèces dites de base, genre les geckos. C'est vrai qu'il faut se dire que les gens. Ils vont pas trop sur les tortues, enfin sauf les tortues terrestres, tortues d'Hermann, parce que c'est la Caroline, machin, tout ça. Mais sinon, ils vont plus faire les pitons, les geckos léopards, les geckos à crête, les petits boas aussi. Enfin bon, ils vont dans les espèces plutôt communes, mais pas dans les petites espèces un peu difficiles. C'est pour ça que nous, là, on essaye de faire des fiches un peu plus développées et des espèces qui ressortent un peu plus de... qu'on ne trouve pas non plus tous les jours. Et ça fait toujours plaisir de voir des fiches comme ça, je pense. Bah, c'est idéal, puis ça peut aider énormément beaucoup de monde également. Après, il y a un groupe aussi associé, c'est le groupe de vente. Oui. Donc là, c'est pour toutes les annonces de vente. Donc deux groupes. Un groupe convivialité, partage et bonne humeur. Et de l'autre côté, toute la vente. C'est beaucoup plus simple de séparer parce que comme ça, t'es moins emmerdé avec toutes les annonces. Surtout qu'il y a des gens qui font de la repro un peu n'importe comment, qui cherchent à commencer à vendre directement. Après, on peut pas non plus sélectionner les annonces parce que c'est vrai que on peut pas dire qu'il fait du bon travail ou pas. Mais on peut pas tirer une balle dans le pied dans un autre, sauf s'il fait vraiment, s'il vend sans certificat de cession qui est obligatoire, sans fiche de maintien. Voilà, il faut faire quand même un minimum, mais bon, après, on connaît pas vraiment les gens qui vendent non plus. C'est un peu le souci, c'est un souci à le bon coin, j'ai envie de dire, malheureusement. Donc, le groupe, toi, à la base, que tu as fondé, il était reptile. Reptile. Sous un autre nom, bien sûr. Après, il était un peu tout. Un peu tout. Il était revenu au reptile, je crois. Il était revenu au reptile parce que j'avais des soucis, comme quoi les personnes nourrissaient avec des rats, donc ça posait des problèmes pour les passionnés, etc. Ah, bah, c'est vrai que ceux qui sont passionnés de rats. Donc, moi, je me suis mis au milieu, je me suis dit, je suis passionné de rats, je suis passionné de reptiles. Il faut faire la part des choses. Le serpent ne mange pas des il mange pas du rat domestique. Voilà, c'est pas du rat qu'on va chercher qui est dans l'animalerie qui est domestique, c'est du rat d'un réseau de vendeurs congelés. C'est ça. Il y en a qui donnent aux vivants, mais c'est leur propre reproduction et c'est pour démarrer les juves, parce que certains juves ne démarrent pas forcément au mort directement. Il faut les passer après quelques repas, les lancer et après on peut les changer. Et ça, certaines personnes ne le comprennent pas malheureusement parce qu'ils aiment les rats. Comme nous on aime les serpents, on aime les reptiles, eux ils aiment les rats. Et eux, voir un rat se faire manger, c'est pas la bonne chose. Donc c'est pour ça qu'aussi, les vidéos de nourrissage aux vivants, vaut mieux l'interdire. Voilà. Parce que ça peut vraiment choquer. Et ça, même si on le fait, même si ça arrive, c'est pas le truc qu'il faut montrer à tout le monde. Ça peut rester entre passionnés. On fait une soirée à la maison, tiens, mon rat, comment il a mangé, Mais il faut pas... C'est pas partagé au grand public. Voilà, c'est faut les âmes sensibles. Surtout qu'on peut avoir des jeunes personnes. Donc, on peut avoir des jeunes, donc les âmes sensibles, mais également, les passionnés restent sensibles à ça aussi. Les passionnés de rats, bien sûr. Voilà, c'est comme si nous, on voyait une vidéo avec un serpent qui s'est bouffé par un rat, eux, ils vont jubiler, et nous, on sera dans la même position. Il faut savoir se mettre à la place des autres, et c'est une bonne chose. C'est ça. Voilà. Donc là, en plus du groupe, donc tu as l'élevage également, ton petit élevage à gérer. C'est ça. Donc, élevage, tu as quoi en tout exactement? Donc, j'ai des geckos, j'en ai 14. Le sans compter les juvéniles, bien sûr. C'est ça. J'ai un caméléon aussi casqué du Yémen. Qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Après, j'ai des ciliatus aussi, donc j'ai un mâle et deux femelles.
J'avais du python chez moi parce qu'en fait après c'est un peu séparé. Ouais. Donc chez mon père j'avais du python que j'ai vendu. Ouais. Faute de place, moyen, enfin voilà, on va pas rentrer dans les bah, détails. Il y a toujours des excuses qui font qu'on peut les vendre. Après, il n'y a pas d'excuses qui sont bien, d'autres pas bien. C'est C'est, ça. voilà, c'est, pour le moment, c'est, la place est manquante. Il sera bien chez quelqu'un d'autre plutôt que compressé chez nous. C'est ça. C'est le bien-être de l'animal avant tout. Ouais. Les excuses après, voilà, il y a toujours des excuses de personnes qui disent ouais, on vend parce qu'il n'y en a pas de place, donc on ne sait pas s'en occuper. Non, c'est pas ça le C'est but. pas ça, C'est c'est pas ça justement, le c'est but. parce qu'on a vendu, parce qu'on n'avait pas de place, qu'on sait bien s'en occuper. Ça, c'est une grosse nuance que beaucoup de demi-cerveaux, on va dire, Je n'arrivent pas à préférais le comprendre. vendre, qu'il soit chez moi pour mon plaisir et qu'il soit pas bien. Voilà, il faut que tout le monde soit heureux, c'est un C'est global. ça. S'il y a un problème, si on ne peut pas régler le problème, il vaut mieux faire la solution C'est de ça. céder à quelqu'un d'autre. Malheureusement. Donc, c'est un très bon choix. Donc après, j'ai aussi des espèces d'escargots géants. Donc j'en ai une dizaine. Les Achatina Fulica. C'est ça. J'ai aussi Céline, des. si je prononce mal, tu m'étrangleras plus tard. Il n'y a pas de souci. Donc aussi après j'ai eu des naissances, mais bon. Bah, les naissances, oui, c'est après, s'il y a beaucoup de bébés, il faut savoir les replacer, c'est C'est pas ça. forcément évident quand on n'a pas le réseau, on va dire. Oui. Et après c'est vrai que Bon. Fulica, ça reste une espèce aussi que les gens ne s'intéressent plus vraiment. Bah, les Fulica, c'est tellement devenu tellement trop commun que les C'est gens n'en ça. veulent plus. Donc il y a le moyen, c'est bien sûr, passionné d'escargots, ne m'écoutez pas. Le On peut nourrissage. les donner à nourrir aux tortues, aux pogos. Au varan. Aux varans également, il y a pas mal d'espèces qui peuvent en manger, à savoir que l'escargot c'est des protéines, c'est tout bon pour eux, et la coquille c'est du calcium, donc tout bénef. C'est ça. Voilà, ça permet de recycler les escargots, on va dire. Donc après j'ai aussi un varan, des savanes, bien Ouais. sûr. J'ai trois boas. Donc j'ai un mâle, pardon, deux mâles, une femelle, donc Ouais. qui sont bien sûr séparés. Et après j'ai aussi des régus, mais ça c'est chez mon copain, mais. Voilà, c'est un élevage en plusieurs parties. C'est ça. C'est pratique ça, Oui. ça va d'avoir un peu plus de place. C'est ça. Et t'as également, donc, je sais pas si on l'a dit, t'as les rats J'ai mes également, rats un petit aussi. hamster aussi. Oui. Oui, il y a du monde. Et Et j'ai un mon. père aussi, hein, c'est de Et des l'élevage. pogonas qu'on n'en a pas Les parlé pogos d'abord. aussi. Donc également aussi les chats où tu fais très attention aux chats et quand tu sors les Oui. lézards et tout, parce que bon, les chats et les geckos léopards, c'est pas une bonne idée. Non. Voilà, Les chats, c'est c'est. les assistants des insectes. C'est tout. Voilà, c'est. Et encore quand ce sont des bons chasseurs. Quand il chasse. Oui, parce que Il quand mon chassait pas chat il trop tout à l'heure. regarde le grillon et qu'il ne l'attrape pas. Il y a un souci de chat, faut Voilà. consulter. Là, ça fait déjà quand même une belle famille. C'est Donc, ça. t'as démarré à quel âge en fait? J'ai démarré en 2013, donc j'avais pas encore 13 ans. Ah oui, t'as démarré très jeune, Donc ouais. mon premier, voilà, donc mon premier qui est derrière, je l'ai eu en fait pour mon anniversaire pour mes 13 ans. Ok, donc un cadeau d'anniversaire, mais au final, qui a pas été si empoisonné que C'est ça. ça. C'est vrai que beaucoup disent que les Que cadeaux les cadeaux, d'animaux, c'est c'est très ça. mauvais. Ça double tranchant, soit on s'en occupe bien, soit on s'en occupe pas. C'est ça. Moi dernièrement à Arras, j'ai une famille qui est venue, ils voulaient acheter le premier reptile de leur enfant. Ouais. Ils sont venus sur mon stand, ils se sont orientés vers un gecko léopard. Bon, je les ai bien guidés et tout, mais la famille était réceptive, le père a acheté tout le matériel que je lui ai dit. Ils avaient déjà une partie également, ils avaient mis une substance sable déjà en prévision de l'acheter Oui. l'animal. Je leur ai fait retirer le sable, ils faisaient la tête, mais ils l'ont fait. Oui, Donc c'est ce que je sais c'est. souvent. Ils écoutaient vraiment, le petit était réceptif, il s'est même fait mordre par le gecko léopard sur place. Je me suis fait mordre aussi dans la foulée, mais bon, j'ai collé au parc était en mue, donc ça n'a pas Oui, aidé, et il voilà. voulait voir Et avec le celui-là, stress donc aussi du transport et des personnes qui passent. voilà, 3 heures de route, ça l'a pas aidé, mais au final, même mordu, il l'a pris, parce que l'appréhension de la morsure, il l'a pu, Voilà. parce qu'il sait déjà ce que c'est déjà ce qu'il peut avoir, et je lui ai dit que voilà, c'était un gecko léopard qui mord, c'est que il a vraiment Il envie de est trop mordre et en qu'on casse stress. les couilles. Voilà. Donc comme quoi, ça peut être un cadeau empoisonné, comme ça peut être un bon cadeau, on va dire, ça peut déclencher une passion, comme là, du C'est coup, en fin de ça. compte. Et donc après le gecko léopard, t'es resté sur du gecko ou t'as Non, après eu. j'ai eu un dragon d'eau qu'on avait donné à mon copain, en fin Ouais. de compte, en très mauvais état. On a tout fait, mais malheureusement il est décédé. Et après, en fait, cette passion est suivie. On a eu un python et un autre. Ah, Après, moi, j'ai c'est. racheté des geckos. Donc voilà. On s'arrête plus après quoi. Après, on s'arrête plus. Et après, bah, voilà, on regarde un peu, on se lance dans les repros. On essaye. Ça nous plaît parce que forcément, les naissances, Ah c'est tout bah. un plaisir. La On magie les du voit petit qui sort de naître. l'œuf, Enfin, moi, c'est. cette année, j'ai eu la chance de voir un petit naître, donc c'est moi, je trouve, un Ce moment, que t'avais pas c'est encore vu avant magique. moi d'ailleurs. Donc, ça fait 3 ans aujourd'hui que je faisais de l'élevage, c'est la première année Que t'en vas en que sortir, j'en mais voyais un, c'est. donc c'est vrai que c'est un moment assez émouvant. J'ai pris une photo et je pense que c'est une photo qui restera gravée. Ah bah les photos de nos petits, c'est même. Enfin, moi je sais que dans mes dossiers, je fais photos et vidéos sur la clé USB. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Pour nous, c'est. Bah, c'est différent d'un gecko qu'on a acheté en animalerie ou ailleurs. Parce que c'est un. Si on l'a fait naître, il est léger. C'est Ouais. notre produit et nous, c'est notre travail en fait. Et ça, c'est quand on le vend derrière, il y a un petit pincement au cœur de le voir Ouais. partir. Et quand on a des nouvelles, c'est limite les larmes aux yeux de C'est voir comment il ça. a grandi.
Je suis pas tout seul dans ce cas, c'est bien. Je pense qu'on n'est pas tout seul et qu'il y en a beaucoup. C'est ça la différence entre un vendeur, un importateur et un éleveur. Un importateur et un vendeur. L'importateur, il fait venir l'animal qu'il ne connaît pas, il le vend au bout d'un mois après la quarantaine et c'est plié. S'ils font une quarantaine. Le vendeur, il a l'animal, il le reçoit, il fait une quarantaine, il attend un mois et il vous le vend. Il ne connaît pas l'animal. Il sait pas qu'il connaît pas son tempérament, il connaît rien. Nous, on l'a vu sortir de l'œuf, on l'a fait démarrer, on s'est fait mordre, il nous s'est fait crier dessus pour le gécoléopard. On a tout vécu en fin de compte. Et on connaît bien le tempérament de l'animal, comment il va réagir, pourquoi il va réagir de telle ou telle façon. Voilà, c'est ça la grosse différence. On peut avoir 10 ans, 15 ans, 22 ans, 130 ans, ce sera toujours pareil. Donc moi, pour savoir, mon premier animal de gécoléopard, c'est des éleveurs de 15-16 ans qui l'ont fait naître. Creativity Gecko, donc voilà, et au final, le mâle est magnifique. Donc comme quoi, on peut avoir n'importe quel âge. Voilà, c'est, si on a la passion, l'expérience va suivre. Et encore, je dis bien la vraie passion, parce que si c'est pour venir sur les groupes Facebook et dire « Ouais, moi je suis capacitaire par mon père, parce que je lui ai tout appris, il a fait le dossier pour moi, comme j'ai eu le cas récemment. » Et quand le gars lui parle en expression scientifique et qu'il est incapable de nous répondre, non, il faut pas se faire mousser non plus, il faut rester dans la limite de ses capacités et dire « Voilà, on est tel truc, on n'est pas autre chose. Voilà. » On n'est pas des Karim Daouès, voilà, c'est un autre niveau, on est juste à un autre niveau, il faut redescendre d'un étage et voilà. Donc voilà, c'est de l'élevage amateur. Oui. T'as jamais exposé en bourse? Non. Tu viens faire des tours de temps en temps? Oui, j'étais à Arras et puis là où je me rappelle, j'ai plus le nom. Saint-Aquilin, deux passés. C'est ça. Donc j'ai fait ces deux bourses et j'ai fait Arras deux fois. Alors tu vois que la différence entre Saint-Aquilin et Arras. Oui. Après voilà, les bourses. Saint-Aquilin, je trouve quand même que c'était pas mal. Il y avait peu de monde, mais c'était une bourse sympathique quand même. Chaque bourse en fait a sa particularité. T'as la petite bourse familiale, oui. La bourse moyenne qui veut grandir, et t'as Arras qui est. Après Arras, c'est vrai que j'ai. Très commercial. J'étais après Saint-Aquilin, quand je suis arrivée, j'ai dit waouh! J'ai dit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands, on est un peu perdu. Tu dis, je suis où? On voit beaucoup d'espèces, on en prend plein les yeux parce qu'il y a quand même des. C'est, ça reste des petites on espèces. On voit des éleveurs mais... étrangers aussi. Mais c'est, puis... c'est. Oui, mon Pogona d'ailleurs vient d'un éleveur étranger déjà. Voilà, donc après, c'est. On peut bien tomber comme mal tomber là-bas aussi, c'est sûr, mais c'est un autre niveau. Donc à chaque bourse est intéressante à sa façon. Enfin, moi qui expose, pour moi, chaque bourse est intéressante. Si j'y vais exposer, c'est que la bourse a quelque chose. Si j'y vais pas. C'est que ça va pas. Ça va pas. Voilà. Bon, bah, c'était la petite interview quand même de Léa. Bah, on va se faire un petit bonus en montrant quelques plans des animaux. Et puis, bah, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut !